C'est ça. Donc voilà, on va rechercher un club. Donc on va aller voir la bureau des emplois et on va aller voir les clubs disponibles. Il y a Elche qui est disponible aussi. Il y a Bournemouth, Wolves, Stuttgart qui est dispo. Il y a l'AG Auxerre qui est dispo. On va postuler, pourquoi pas, à Stuttgart. À l'AG Auxerre, ça peut être intéressant. Pourquoi pas les Wolves aussi? Non, c'est le fait une connerie par contre. On peut faire quoi aussi? Après, on verra s'il y a des clubs qui nous contactent. Par contre, j'ai fait une connerie. Je sais pas si elle est trop forte la musique. Non, c'est bon. Bah on verra si on va rejoindre un club. Vu qu'on passe des messages, c'est pas intéressant. Pourriez-vous envisager d'entraîner à l'étranger? J'ai toujours souhaité tenter ma chance d'entraîner, alors si des clubs sont intéressés, je n'y ai jamais réfléchi sérieusement, mais je suis ouvert à toute proposition. On va être le deuxième. 4 postes disponibles pour recommander. Dirigeant sur la recherche d'un entraîneur capable de qualifier l'équipe en Copa Sudamérica. Dirigeant Elche sur la recherche d'un nouvel entraîneur capable de donner l'équipe au milieu de tableau de première division. On va poser la candidature là. Pour l'instant, je vais rester en Europe. Allez, chien, on va déposer la candidature. Le dirigeant propose un entretien, Stuttgart propose un entretien aussi. Suite à votre candidature, le dirigeant et le gestionnaire vous ont confié un entretien pour discuter avec le poste vacant au club. Bien qu'il ait décidé de vous confier un entretien, le dirigeant sera en incertitude concernant votre capacité à poster la vision légèrement revisée à la baisse du club pour l'avenir. Soit elle est la conséquence directe de votre léger manque d'expérience s'agissant de sauver les équipes de relégation. Cet entretien vous permettra de nous expliquer. Bonjour, Ken. Nous souhaitons vous voir aujourd'hui afin de vous présenter la direction que vous voulons donner au club et vous permettre de suggérer des modifications que nous pouvions y apporter si vous y étiez nommé. Je suis content d'avoir l'occasion de m'exprimer. Commençons dès maintenant. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes actuellement candidat à plusieurs postes? Je fais tout ce que je peux pour vous proposer, j'étudie mes options, j'avance pas que ce soit le nombre de clubs qu'on devrait raisonnable. Pour l'instant, ça ne me regarde personne d'autre que moi. J'étudie mes options. Serez-vous prêt à travailler avec Cédric Doury, au directeur sportif? Je suis prêt à travailler à ses côtés. Dans le cadre de notre procédure de recrutement, nous vous autorisons à proposer des modifications d'équipe technique en place. Quel est le budget estimé nécessaire pour effectuer ces changements? Non, je souhaite un budget soit à ma disposition. Non, je ne souhaite pas proposer ce changement avant d'avoir pris ma fonction. Aucun budget n'est donc nécessaire. Avez-vous un avis concernant la vision du club à long terme? Tout le mettre en œuvre pour proposer sur le terrain et en dehors, ouais. Actionnable objectif, augmenter les revenus commerciaux, rester dans les limites du budget, ouais. Donc éviter la relégation, être compétitif à la Coupe de France. Installer durablement l'équipe en Ligue 1. Rester au club établi en Ligue 1. Sachez-vous que vous y étiez nommé l'objectif du club et de maintien. Ça vous semble-t-il raisonnable ou pensez-vous pouvoir faire mieux? Je ne veux pas se méfier. Confié, j'étais pouvoir aller bien au-delà des objectifs du club en terminant en première moitié. Non, je pense qu'on pourra terminer au milieu de tableau. Je trouve que c'est un objectif assez raisonnable. Si vous étiez nommé à la tête de l'équipe, vous aurez un budget de transfert de 100 000 euros. Que pensez-vous de ces chiffres? Je pense que le budget de transfert est pour vous raisonnable. Je ne pense pas avoir besoin d'un budget conséquent. Je pourrais sans doute travailler avec un peu moins que ça. Je pense avoir besoin d'un budget conséquent. Je pense que vu la vision souhaitée par les dirigeants, un budget plus conséquent serait nécessaire. Je pense qu'au vu de la vision souhaitée par les dirigeants, un budget un peu plus conséquent serait nécessaire.
Un budget salarial de 814 000 serait-il suffisant? Là, c'est bon. Avez-vous proposé ça nous faire au cas où nous gagnerions? Nous n'avons pas besoin de modèles. Ok. Alors, tout pour aujourd'hui. Merci d'être venu nous voir. Affirmons que nous vous saisons à temps voulu. Allez, on va aller voir. Stuttgart aussi. Disons, merci d'avoir pris le temps de venir. Je suis content de voir. Je m'estime capable d'apprendre la langue rapidement. C'est pas un problème pour moi. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous êtes actuellement connu? J'ai tué mes options. Dans le cadre de nos procédures, heureusement, nous autorisons à proposer une modification d'équipe technique en place. Notre vision à long terme définit l'avenir du club pour les années suivantes. Votre tâche sera réalisée si votre candidature est retenue. Avez-vous un avis sur la gestion de ces propos? Terminé au milieu de tableau, terminé de travailler, terminé se qualifier pour l'UECL, donc la conférence League. Ok. Sachez-vous que vous étiez nommé, quel objectif du club de terminer au milieu de tableau que vous semble-t-il raisonnable? Un budget de transfert de 5,5 millions? Ouais, mais. C'est raisonnable, 1 million, ouais, c'est raisonnable aussi. Vous avez demandé à faire un cas où nous disons de nous engager. Ok. Donc, on va contacter dernièrement. L'entraîneur français Cavalier, 38 ans, a discuté avec les dirigeants de la JOSR de la possibilité de prendre la tête de l'équipe. Beaucoup de gens voyaient elle comme un mieux un outsider avant que la nouvelle de son entretien avec les dirigeants de la JOSR soit rendue publique. Il est peu probable que les discussions qui ont lieu entre les dirigeants aient un gros impact sur les décisions finales. L'entraîneur les ayant en effet sur certaines choses impressionnées au cours de la période ayant mené à la nomination. Bon, on verra. Souhaitez vous exprimer à propos de l'entretien de bouche concernant ces derniers temps. Hop, allez, on continue. Bonjour Kev, nous souhaitons vous voir aujourd'hui afin de vous présenter la direction que nous allons donner au club et vous parler de ce sujet de bénéficiation. C'est un plaisir d'être ici, allons-y. Le fait que vous ne parlez pas la langue, je crois que c'est une langue assez facile à apprendre et je devrais pouvoir me débrouiller assez rapidement. Vous êtes porté candidat à plusieurs clubs, j'ai tué mes options. Nous avons dû nous séparer de notre précédent entraîneur beaucoup plus tôt que prévu. Pouvez-vous nous assurer que ça ne vous reproduira pas? La personne m'a insisté de la durée et réussir dans le club. Qu'en pensez-vous de travailler aux côtés du directeur? Je suis très content de pouvoir travailler à ses côtés. Dans le cadre de notre précédent de recrutement, nous avons autorisé un non, bah ça, vous n'avez pas besoin de budget. Être compétitif en Coupe d'Espagne, terminer premier. On se trouve terminé au milieu de tableau. Nous avons une place au milieu de tableau. Pensez-vous que. Si la place était un budget de transfert de 4,7 serait. Bon, ça va, le budget est 1 million, c'est bon. Et vos propositions au cas où que. Non, c'est bon. Alors, j'ai demandé de faire le truc des jeunes aussi. Elle a elché. Concernant la poste de vacances d'entraîneur. Pas pour l'instant, on va marquer. Les Bobs qui veulent me contacter aussi. Ça peut être intéressant, les Bobs. Tu quoi, pourquoi actuellement. Je vais réfléchir. Ça, on s'en fout, il y a quoi? D'accord, faut devenir le meilleur club derrière le meilleur. Nommer notre entendant une équipe qu'elle fasse première partie du tableau. 4,5.
Ouais, budget salarial, on est bon. Et on est bien là. Ah, j'ai une approche de. Ah bah, ça va être Stuttgart. On va débuter les négociations avec Stuttgart. Donc 101 000. Si on relègue 35%, que ça, je m'en fous. Donc ça va être le VfB Stuttgart en fait. Recruté par le VfB Stuttgart. Une dimension du VfB Stuttgart est confirmée aujourd'hui que Cavalier a pris la tête de l'équipe. La nomination d'entraîneur et l'expérimentateur, une expérimentée de 38 ans, a étonné plus d'un monde de football. Et les journalistes présents à la première conférence de presse de Mercedes-Benz Arena ont en doute de nombreuses questions à lui poser. Il succède à l'ancien entraîneur Pellegrino Matarazzo. Thorstein Njikkebergen est considéré comme favori pour le poste, mais il est possible que les dirigeants du club aient décidé dès le départ en faveur de elle. Donc ils ont gagné 5 Bundesliga, 3 DFB Pokal, une Bundesliga 2, une Super Coupe d'Allemagne et une DUA. Voilà l'équipe, on va voir ce que ça a donné. Je pense pas qu'on joue comme ça par contre. Donc ça c'est le truc du club, donc online. Par contre... Pour les supporters, ça c'est le supporter culture, la vision du club des supporters, rester en Bundesliga et prendre le meilleur sur les rivaux KSC. Voilà. Ok. Donc le nouvel entraîneur de Stuttgart, c'est moi. Depuis le 15 juillet 2022. Donc on va commencer à travailler sur l'équipe. Donc ça c'était acheté. Ok. Milieu de tableau et atteindre le premier tour minimum. Bon, on confirme comme ça. Donc, on va créer notre tactique. On va jouer comme ça. Donc, gardien de but, il sera libre au soutien. Là, ce sera des. Natural offensive attack. Natural offensive attack. Là, je veux un milieu box-to-box soutien et là un meneur de jeu en retrait défense. Attaque en intérieur attaque. Attaque en intérieur attaque. Attaque aussi et c'est bon. Là, je veux un jeu positif. On sort sur la défense et on sort sur les côtés. Prenez la défense en vitesse, voilà. En transition, contrée. Et on joue vers la défense. Et défensivement, je veux l'équipe un peu plus haute. Voilà. Donc voilà la toute nouveauté, c'est ça. Donc la nouveauté, c'est la présence sur toutes les équipes. Donc là, par exemple, on sait quel est mon gardien numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Donc le gardien numéro 3, je pense qu'il est chez les jeunes. Ouais, il est dans les U19. Là, c'est dans l'avenir, ce qu'il pourrait avoir. Et là, c'est après. Donc le jeune gardien deviendrait le numéro 1 d'ici 3 ans. Défenseur droit comme pareil. Donc là on voit que ça change aussi. Défense au centre. Défenseur gauche, bien sûr. Milieu centre. Il va forcer le droite là parce que c'est même pas le premier. Bon, ça risque d'être lui à un moment même. Ah bah non, il s'en va en 30 ans. Donc voilà. Donc
pouvoir. Allez, on va préparer un autre effectif, on va ranger ça. Keep, et on va faire définir une nouvelle recherche ciblée, ça va être la défense au centre. Par contre, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il faut. À côté de ça, je fais ce que je veux. Ok, voilà. Hop, on recherche un défenseur centre. Donc, toi. Koulibaly, comme tu es en fin de compte. Là, c'est bon. Là, c'était toutes les affaires prêtes. Là aussi. Donc, on va commencer les entraînements. On s'en occupe. Là aussi. On va y aller. Là aussi. Ça s'en occupe. Ok. Donc on va proposer des offres pour les contrats de personnel. Tranquillement. Je vais voir s'ils ont pas déjà des deux A. Ah, il y a un A là. Mouran. Il coûte pas trop cher. Et ça pourrait faire l'affaire. Enfin, une œuf. On va demander des informations pour lui. Et surtout lui. Après les autres, on verra ça plus tard. Donc ça mettrait... Sixième. Cette année. Oui, pas vrai. Une place là. C'est après. Mais sur les cinquièmes. Ouais, c'est pas une grosse progression énorme. C'est vraiment un joueur remplaçant. Ah oh ouais. Je crois que le plan n'a toujours pas été payé en fait. Ils essaient de payer avec la carte du Navigo. Oh le bordel.
Si je lui donne le plein qu'elle a déclaré. Nul. Peut-être qu'elle a refait le plein, Sabrina, depuis. N'importe quoi. Peut-être que ça a pas dit. Ah putain, fais chier cette souris. Mais je sais pas ce qu'elle a ma souris en ce moment. Mais peut-être qu'elle me dit, en fait je viens de me faire appeler parce que j'aurais déclaré un plein audio, mais peut-être qu'elle a fait un nouveau plein Sabrina depuis. Putain, c'est chiant ça. Mais là. C'était la question pour la Vestulgard, ok. Dans son tactique, il a 15, analyse des données 12. Cep. C'est dirigeant. Non. Malheureusement, non. Je refuse pas, je le garde chez moi. Débuter les négociations. Donc, ça, on s'en fout. Terminé. Donc, ça va être un rôle de joueur secondaire, bien sûr. Bah, enfin, finaliser l'accord. Impeccable. Demander Fandrekel. Vev Vestulgard. Putain, pendant 2 ans, il n'avait pas travaillé lui. D'accord. Donc, il n'y a rien à faire. Paul Colomb, c'est qui lui? Ouais, c'est un jeune. Ouais, ça y est. Si on peut piquer des jeunes. On verra. Sinon, vaut la peine, en vrai. De près. Pas
Présentation et transfert. Tant pis, je vais laisser comme ça. Tac, on continue. Accepté. Accepté. Non, on a continué avec Edmund John Game, directeur technique, était à la voir Christian avant. D'accord. Kess Peter Smith, il était à Dan Start avant, préparateur de physique. D'accord. Ah, je vous compte une ulti dans le match amical, super. Ouais, c'est bizarre. Bon, alors, je fais ce match et ça va être le dernier match avant la pause. Allez, faisons ça. Elle a été payée hier soir et elle a appelé aussitôt après. Dol, des hors-jeux, super. Allez, Milo. C'est bizarre sur mon terrain, il n'y a aucun prêt. C'est pas mal. Je vais juste le voir. Ah, un penalty. Qui a été arrêté. Super. Ah, on mène 1-0 contre la deuxième équipe de Stuttgart, ça c'est bien. Ça fait du bien ça. Allez, on attaque, Silas. Mais qui est beau? Ça a été dégagé.
Ah putain, une note catastrophique là, Silas 5,9. C'est quoi ça? Ça fait bien pour un match amical. Allez, on va mettre Anton là. Tout, on va le mettre à la place de Zagadou. Koulibaly à la place de Sosa. Donc voilà. Donc on a changé tout ça. Hop. Ah, on gagne 2-0. Pas vu qui c'est qui a marqué. Ah, c'est Elkoff, d'accord. Allez, encore quelques secondes et c'est fini. Ok. On a gagné 2-0. Ça, c'est bien. Le prochain match amical contre Manchester United. Allez, on continue. C'est bon. Ouais, ils ont vraiment dominé Stuttgart, normal. Bon, après, c'est équipe 2, donc je vais rien dire, mais. Donc voilà.
Sosa, j'ai une offre pour Sosa. Le client est vaguement intéressé par l'idée de négocier avec Liz. Ouais, il est juste vaguement intéressé, hop, ça dégage. Allez, on continue. Bon, on va bientôt arrêter cette première partie de live sur Football Manager, donc ça va être monté et rediffusé aussi. Ah, j'ai le nouveau joueur qui arrive. Mais ça, on verra ça au prochain live. Voilà. Donc normalement, compo d'équipe, bah, on va voir où il va être placé, mais je pense que ça va être 6ème. Ouais, voilà. Donc je vais vous laisser là, ce live là. Donc pour ceux qui ont vu la rediff de live de la vidéo, je vais vous laisser là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, plus au monde.